moi je suis Denis Rosan, je suis au Togo depuis 36 ans, togolais depuis 2005, très impliqué dans mes activités professionnelles, pour ceux qui connaissent la société Gros Camion que j'avais créée en 92, jusqu'en 2006, puis la société Vimat Industries, spécialisée dans les ventes de camions en GTP. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été donc un passionné de moto, les gens me connaissent en ville toujours à moto. On est allé avec des équipes d'Africa sur le Paris-Dakar à 6 reprises. Tony Togo, qui est à KTM aussi, a poursuivi l'initiative des Paris-Dakar encore 4 ans. Et donc on est toujours dynamique dans le sport moto et c'est un sport qui est très très valorisant pour la jeunesse, puisque les jeunes aiment se divertir à faire de la moto et ça les entraîne à éviter de faire des âneries sur les routes, parce qu'actuellement on a un peu trop de morts sur les routes, donc on veut absolument amener des motards à venir goûter au plaisir de la moto tout terrain qui est vraiment beaucoup plus épuisée. D'interruption de compétition pendant la période du Covid, on est vraiment très content puisqu'il n'y avait plus de sessions au circuit depuis 2019. Donc ça n'a pas été simple de relancer un petit peu les activités du club. Les sponsors aussi ne sont pas trop généreux en ce moment, donc c'était pas simple de l'organiser. Mais on peut dire que globalement ça s'est très très bien passé. On a pu compter sur la présence des pilotes venus nombreux de Faso. On a eu le Sénégal, un pilote et puis le temps nous a malgré quelques pluies, nous a permis quand même d'avoir une très belle journée aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Bon, on va dire que, étant donné que les activités du club au niveau motocross sont vraiment ralenties ces dernières années, malgré tout ça, il y a quand même un bon niveau et ça mérite vraiment de poursuivre les activités du club afin qu'il y ait des entraînements très très réguliers et qu'on puisse avoir des pilotes qui montent de plus en plus à un haut niveau. Vous challenge à venir. Bon, le challenge à venir, moi j'ai accepté de prendre la présidence du club, c'est simplement parce qu'il faut relancer les activités. Il y a des Togolais qui sont très dynamiques, qui sont là, donc on va essayer de remettre sur les rails les activités de l'ensemble des spécialités moto. On a l'enduro de Palimé qui aura lieu tout début novembre, donc, et on va essayer de recréer un nouveau cycle ici, très animé, à partir des mois prochains. Bon, c'est des pilotes qu'on connaît depuis longtemps, hein. Le club a 40 ans cette année, donc on a Joël Carré qui est ici parmi nous,
qui a créé le motoclub en 1983. Et il y a toujours eu une très très bonne dynamique. Le Togo a toujours été un pays très, très on va dire, très dynamique en termes de sport moto. Donc on a beaucoup de relations avec tous les pays et on n'a pas eu de mal à faire venir des pilotes des pays voisins. Parce qu'eux-mêmes étaient très contents de venir compétir au Togo. Donc c'était vraiment une très bonne chose. 17, une boisson énergisante à base de caféine et de taurine que nous vendons un peu partout sur le territoire togolais. L'événement pour une première fois, parce que c'est notre première participation à l'événement, et on trouve que c'est vraiment épique et époustouflant, et on espère beaucoup d'autres éditions sur lesquelles nous serons présents. De la technique, l'expérience, tout ça, c'est un sport qui réunit en fait toutes ces qualités-là. À jamais lâcher, ça c'est le plus important. Quand tu tombes, tu te relèves, il faut continuer. Et voilà, la persévérance et puis la motivation. Et quand tu as l'amour de la moto, l'amour du motocross, le reste viendra tout seul.